Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Waven avec le Yop Lamarguédon pour faire la quête Bouffetou level 120. Une quête qui m'a été demandée pas mal en commentaire et qui est pas facile honnêtement. Donc on va faire ça tout de suite. Pour le build, hop, je vous l'ai présenté donc récemment sur la chaîne, rien n'a changé. Tiens d'ailleurs on va level up Suzy parce qu'après tout pourquoi pas. Hop. Donc on est toujours en Rajon, Roméo, Limpic, Stradamus, Spirituel, Deck 12, le combo avec Eagle, Enox, Suzy pour ajouter un petit peu de punch et Kilby si besoin. Le Deck 12 hein, bien sûr pour faire fonctionner l'anneau Rajon. Et voilà, tout est bien. On est avec Retour Spectral, Spectralisation, le sort d'Ether désigné volontaire et le bon pour donner un peu de mobilité. Mais si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller voir la vidéo du build. Sur ce, nous, let's go, c'est parti. Let's go, let's go. Donc, il faut faire attention. Faut pas se précipiter pour faire ce... Bah, tout simplement, pour faire cette quête. Hein. J'allais dire ce donjon. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec les donjons, les gars. Mais en fait, je veux des gros donjons, là. Je veux faire du donjon plus dur, etc., etc. J'attends du contenu, là, fort, sur Waven. Bon, on sait que ça va pas arriver tout de suite. Faut laisser le temps au jeu un peu de mûrir, mais... Mais quand même. Là, on a un play qui me plaît plutôt pas mal. C'est on invoque Eagle, on tue... Une pupusse... Ah, on la tue pas. FF. FF. Le plan ne se passe pas comme prévu. Du coup, on va taper là. Ok. Ça va. Ça va, ça va. On a Nox qui est à 3. On fait un sort au prochain tour. On l'invoque. On va devoir l'invoquer plusieurs fois de toute façon. Mais j'ai pas trop envie de me retrouver trop fortement encerclé. Hop, faut faire attention au chef de guerre sauvage aussi qui stack l'armure, ils sont un peu chiants. Ok, hop. On va taper là. On va lui péter le shield à lui, on sait jamais. Hop. Ok, parfait. Il va prendre les dégâts pour moi. On va pouvoir le réinvoquer au tour d'après s'il meurt, ce qui est fort probable ici. On est pas mal, on est pas mal. Pas qu'on prenne trop cher au début, mais ça devrait le faire là. Si jamais il me tue pas mon Ox, ça va juste être Suzy qui va être invoquée ici. Ah, Suzy, on pourra pas. Il va falloir attendre un tour. Comme j'ai pas tué avec Eagle. Ok. Beaucoup de shield tout ça quand même. Hein. On va taper. Je pense qu'on va faire ça. Ici. Parfait. On a pris des dégâts de poison forts là. Bon, faut pas oublier que les bouffetous malades comme ça, ils prennent des dégâts tous les tours. Ok, il va nous taper deux fois. Tranquille. Tranquille, tranquille. On va faire un petit tour de Suzy, là. Dommage, j'ai pas les dégâts pour tuer. On va l'invoquer ici, du coup. Hop, voilà. On va taper ici. Parce que je veux faire proc absolument une bête comme ça. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On va générer de l'armure. Faudrait juste qu'il tue mon Ox, ça m'arrangera un petit peu. Comme ça, je me refais un petit peu d'armure. Ça devrait être le cas là. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Ok, on va réinvoquer Suzy, hein, c'est pas grave. On va faire...
Allez, on va faire ça. Est-ce que je peux invoquer Suzy? Non, je pourrais pas ce tour-là, je crois. C'est dommage. Est-ce que ça change notre tour? On va faire un sort haut, je pense, du coup. Et on peut réinvoquer la Suzy. J'ai pas vu, j'avais un point d'éther. My bad. Hop. Tranquille. Suzy, back on the street. Ça me fume. Cette poule là qui a tant de damage. Bon, à partir de là, le fight est quasiment gagné, hein, les gars. On n'a pas de sort haut, il va falloir qu'on tempo, probablement, ici. Sinon, on peut pas réinvoquer Nox. Enfin, si, on peut avec le point d'éther, mais... Ouais, en vrai, je peux le faire maintenant. On peut avec le point d'éther, c'est pas très très grave. On va faire ça. Je voulais le garder pour Suzy, mais c'est pas grave, là, on peut passer le combat facilement. J'aurais dû le bouger, lui, par contre. J'avais pas vu. Petit crit qui met bien. Ça fait plaisir. Au fur et à mesure que vous avancez dans le combat, plus vous générez de jauge, évidemment, plus vous gagnez de l'armure, puisque vos compagnons ont plus de dégâts. Donc c'est pas mal du tout. Hop. Bon, on va pas invoquer Eagle, hein. On s'en fiche un petit peu ici. Quoi qu'on pourrait tuer les pupus, mais... on veut invoquer Suzy. On n'a pas chopé de sort. Oh, dommage. C'est dommage, c'est dommage. On l'aurait défoncé sinon. Vous savez quoi? On va juste via la maladie ici. Hop. Hop. Allez, on peut finir avec Eagle. On va le faire du coup. Je suis actuellement en train de regarder la série Wakfu, les gars. J'ai jamais regardé. Et c'est un petit banger. J'ai bientôt fini la saison 1. Ça me régale. Ça me régale. Voilà pour... je vous raconte ma life, hein, mais c'est important de le dire, parce que la série est incroyable, en vrai. Voilà pour ce petit donjon bouffe-tout sans pression avec ce Lamargaidon. Si vous voulez que j'essaye de le passer avec d'autres classes, n'hésitez pas à me dire. J'ai essayé avec le juste lame, ça me paraît... très très compliqué, je suis arrivé jusqu'à la quête. Jusqu'à la quête. La quéquette, ouais, la quéquette, ouais. La quéquette 112. Donc c'est plutôt chaud. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, petit pouce bleu, abonnement, commentaire. Et sur ce, bah, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Dimanche, vidéo build. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Encore que je termine d'XP le perso, mais normalement il y a, voilà, petite vidéo build, je vous tease, voilà, je me permets de vous teaser, les gars, dimanche, donc vidéo build, voilà, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, à demain pour une prochaine vidéo, ciao.